T'es moi, égoïste, ouais. Mais moi, je suis égoïste. Ouais, t'es égoïste. Et je te le dis tout le temps. Mais, ok, d'accord. Vas-y, vas-y. Tu veux faire la meuf, vas-y, ok, d'accord. Tranquille. Moi, ouais. Moi, je suis un égoïste, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, fait de ma gueule. Arrête. Ok, je vais t'aider. Pourquoi tu vas me faire croire que tu... Je jure solennellement de ne pas mentir à ce jeu qui connaît mieux l'autre. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue chez les Ben. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui connaît mieux l'autre. Qui connaît mieux l'autre. Est-ce que tu penses que tu me connais mieux que moi je te connais? Bah c'est évident. Nous allons devoir répondre au mieux sur ces ardoises. Au évidemment. Mieux. Oui. T'es censé me connaître. Un an. Un an. Mais tu penses que tu me connais? Un an. On est ensemble. Si tu me connais pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Nous allons devoir répondre chacun. De notre côté, sans tricher, bien évidemment. Non, on peut pas, on est deux personnes différentes. Si tu gagnes pas, je vais être très vexée. D'ailleurs, en commentaire, vous pensez que je vais gagner ou que Mélanie va gagner? En tout cas, j'en profite pour vous dire qu'il faut vous abonner, s'il vous plaît. Le pouce en l'air et voilà, quoi. On fait un pari, première question, elle dit comment ça marche, on faisait manana. Vas-y, okay, allez, vas-y. Toi. Merde, je le sais en plus. On a pas trop de temps. Ah, attends, non, je mets le mien. Je bah non, tu mets le mien. Ah, je mets le tien. Bah alors, qui n'a pas compris? Non, c'est bon, ok. Ok, moi, c'est bon pour moi. Moi aussi, c'est bon pour moi. Hein. Ok. 1, 2, 3. Fight Club. Mignon. Non. Quoi? Oh! Oh la vie de ma mère, j'arrête de jouer avec toi. Hier soir, on était passé sur Netflix. Oui, mais c'est pas ça mon film. Oh là 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 là, je te déteste. Et ça, c'est mon dessin animé, ça, c'est le meilleur des dessins animés, ça, je suis d'accord. Et ça, c'est pas les mignons, c'est moi, moche et méchant. Mais c'est pas ça mon film préféré. Mon film préféré, c'est La Revanche d'une blonde. Non, 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 non. Tu m'as dit, oh, c'est mon film préféré, mais celui-là. Mais c'est pas vrai. Fight Club, qui t'a dit que c'était le mien? Mais c'est toi, je le sais très bien, ça, je veux pas mentir. Moi, je suis pas un menteur. Ouais, bah c'est voilà. Fight Club. Bah alors voilà, moi, je te connais. Vas-y, ok, tu sais quoi, vas-y, c'est bon. La personne que tu détestes le plus, toi? Putain. Qui tu détestes le plus, babe? J'ai un plan, là, t'es servi. Non, mais toi, le problème, c'est que tu vas me dire, ouais, mais c'est pas le plus que je déteste. Ah bah, une dans mon entourage, en plus. Ah bah, je vais pas parler d'elle. Parce que tu sais si la déteste. Je sais pas, il y en a trop, elle déteste tout le monde. T'aurais pu me donner un programme, parce que dans chaque programme, elle en déteste un. C'est plus simple. Il y en a un dans le cercueil, il y en a un dans les anges, il y en a un dans la villa, il y en a un dans ah, le cercueil, il y en a plein. Ouais. Dis-moi un dans un programme et je t'en sors un que tu détestes. Vas-y, la villa. Dans la villa? Ah oui, je suis con, wesh. 1, 2, 3. Ah, vas-y, tu peux effacer son nom. Hein. T'as mis quoi, toi? Aux aguels, je suis embrouillée. Ah ouais? Bah ouais. Il y en avait d'autres quand même. Bah non, c'est avec elle que je t'embrouille. Moi, c'est vrai. Et toi, c'est vrai du coup? Bah oui. Mais toi, de toute façon, j'aurais pu mettre 50 noms. C'est pas un seul, genre, c'est 50. Ok, attends. La personne que tu préfères le plus. La personne que tu préfères. Bah avant, mon préféré, c'était Eddie. Ok. Oui. Moi, je sais pas. Celui qu'on a vu au Rose Bonbon très souvent. Pourquoi tu veux m'induire comme ça? T'as vu comment tu veux m'induire? Parce que j'ai trop raison. Non. Pardon. C'est Dylan. Non, je rigole, attends. En vrai de vrai, c'est mon bête de pote et je sais d'avance que c'est Cédric. J'ai gagné. Ça y est. Ça y est. Moi, mon enfant, je vais l'appeler soit Evan, soit Caleb, soit London. Ethan. Ouais. Depuis quand Ethan? Ouais, c'est la dernière fois tu m'as dit je vais l'appeler Ethan. Non, Evan. Evan, t'as c'est cru... très moche, Ethan. Il y en a trop dans Paris, c'est nul. T'as cru Evan, c'était quoi? Mais c'est c'était un Evan Chandlers. Mais quoi? Mais t'as cru que c'était un bus ton fils ou quoi? Mais Evan... quel rapport Evan? Evan c'est déclassé, c'est américain. Mais quel américain? On dirait un van électrique, cousin. Mais pas juste. Evan, frère. Ivan. Ethan Ben. Deux secondes. Burke. Ethan, t'as dit Evan, d'accord? On s'est trompé une lettre, on va voir toi. Ok. Baya, c'est comme ça que tu voulais appeler ta fille. Et même j'avais charlé la dernière fois en disant ouais Baya, va bailler ailleurs. Non, parce que je la voulais pas. Baya, c'est un bête de prénom qui est super. Mais c'est dégueulasse, Baya. C'est dégueulasse. Si vous imaginez à la maternelle comment on va se faire charrier ma fille, Baya va bailler ailleurs. Bah oui, j'ai bon. Ouais, là, bon, mais moi c'est. Ouais. Non, moi j'ai bon. Un demi-point quand même. Evan et Tanzan. Non, non.
La tienne, ta destination favorite. Ça, tu le sauras pas. Ah si, tu le sauras. On en a parlé une seule fois, et c'était chez le coiffeur. Si tu me dis le pays, je te compte. T'as déjà écrit, toi, la mienne ? Bah oui. Ça y est. La ville que j'aimerais visiter le plus au monde, c'est Shanghai. Oui. Depuis que j'ai vu Les Jardins du Météore, la série sur Netflix, je veux aller à Shanghai. C'était vu Shanghai ? Sous les cocos. Y a pas les cocos à Shanghai. Mais vas-y, mais en fait, toi, tu changes d'avis comme de slip. Vas-y, mais toi. C'est pas vrai. Moi, je t'ai mis le Brésil parce que c'était les saisons favorites. Ouais ? Bah oui. Moi, je te dis ça tous les jours. Je change pas. Rouge, c'est rouge. Noir, c'est noir. Brésil, c'est Brésil. Avec quelle star accepterais-tu que je te trompe ? Si tu pouvais coucher avec une star, que j'accepterais, c'est ça ? Moi, je vais mourir comme ça. Dépêche-toi. Réponds à la question. Romain, accouche ! Alors, la réponse ? Moi, je pense que tu me laisserais coucher avec Miley Cyrus. Avec personne. T'es qu'à moi. Je partage pas. Moi, ça dépend. Hein. Je sais que c'est ton pet de poteau. Bah non. Soit on se trompe pas, soit tu me laisses coucher avec Dwayne Johnson. Quoi ? Je savais qu'elle allait être coupée, mais je voulais la mettre quand même. Ah, pour elle ? Ah merde, je suis un ouf. Alors du coup, pour toi, tu penses que j'ai mis quoi ? Levrette. Ah, ça, c'est la mienne. Bah oui. Mais la tienne ? C'est quand je suis sur toi. Quand elle fait du rodéo. Bah, on a raison. Un chacun. Oui, c'est vrai. Ah, ça commence à gratter des points pour Romain. J'ai la chanson en tête, mais j'ai plus d'artiste. Et merde, mais j'ai la chanson en tête. Je me la mets quand tu déprimes, mais ça fait longtemps que je ne m'as pas fait écouter ta chanson de merde. Je sais pas. T'as rien ? Non, bah non. Et toi, tu penses que j'ai mis quoi pour toi ? Bah, Isarus. C'était pas Prince ? Y'a U2, y'a après du rap US. C'est ça, U2. Y'a Travis Scott. Y'a U2. Mais Prince, c'est un de mes meilleurs favoritos, you know. Mais toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Toi, je voulais faire quand t'étais petit. Moi, je sais ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Bah, je vais l'écrire. Quand j'étais petit, c'est juste que je voulais faire des sous. La vérité, c'est ça. J'ai mis astronaute. Parce que quand on a vu l'astronaute, elle a dit j'aurais kiffé faire ça quand j'étais petit. Non, j'avais trop peur du vide. La vérité. Et toi, tu penses que j'ai mis quoi ? Présidente ? La tête de la mère, j'aurais fait un parti politique merveilleux. Bon, bof. Pourquoi bof ? Parce que... Toi, tu voulais trop être dans les chiffres. À la rigueur, avocate, tu peux dire, mais pas notaire. Oh, putain. Le nom de ton dernier ex, putain. Vas-y. Ça compte, les ex d'une soirée ? Mais va te faire foutre. Comme ça, j'ai pas son blase. Mais moi, je peux mettre lequel ? Tu veux qu'on parle ex ou plan d'un soir ? C'est moi qui l'ai dit en premier. Bah ouais, mais c'est ça. Bah... C'est ça, ma question. On parle d'ex. C'est bon. Mon tonton ex, c'est J. Ton ex, c'est un grec. Ouais ! C'est ça. Ouais. Ta date de naissance ? Je confonds avec ma sœur. Non, pas ça. La tête de ma mère, ça c'est pas comme ça. Hé, j'ai envie de pleurer, t'es serré, ma date de naissance, tu sais pas c'est quoi ? Ah, 18 janvier 94. J'ai eu de la chance. Mazal tov. 24, 10, 91. Ouais, c'est bon. Moi, c'est 39. Bah, déjà, tu pensais tromper tous les deux. Parce que... on va récupérer une chaussure de chaussures, c'est 42. C'est impossible. Tiens là. Attendez. Ça va pas du tout se passer comme ça. Vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va prendre celle de mon frère. 42. C'est à qui les chaussures ? À toi. C'est à qui les chaussures ? À 42. Non, pourquoi tu rigoles ? On a acheté des chaussures la semaine dernière ensemble. Eh ben oui, mais 42. Bah, c'est déjà t'as serré le doigt de pied. Mais bay. Hey, comment t'as su ? Hop ! Le minimum que je puisse avoir, c'est déjà 42,5. Ça, c'est à mon frère. Ok, d'accord. C'est marqué là ou pas ? 42,5, moi. Là, il y a marqué ça. Quoi ? Je vois pas. C'est sale.
43, frère, c'est marqué en gros là. Mais vas-y, tu mens. Qui a dit je t'aime en premier? Ok, vas-y, facile. C'est toi? Quoi? T'es un putain de menteur. Tu sais quoi? Hey, je vais vous raconter comment c'est passé. On était à Marbella, on rentrait. Bref. Si c'est vrai. Moi, je vais raconter la vraie version, ok? Vas-y, raconte la vraie version. La première fois qu'on s'est vu, dans les deux premières minutes, tu m'as regardé, tu m'as dit hello baby, je t'aime. Vous y croyez à sa version de merde là? Oui. Non. Oui. Pas du tout. On était à Marbella, ça faisait un mois qu'on était ensemble tous les jours, H24, et t'étais bourré, et t'es arrivé, et tu m'as dit mais tu comprends pas que je t'aime? Ça s'est passé comme ça. Mon bébé. Donc c'est toi et j'ai raison. Ma vie. Ah bah moi je me rappelle très bien. C'est bon. T'as vu comment? Moi? Je crois que je m'en rappelle plus, mais peut-être j'avais un cuir noir. Bah non, c'était en été. Et alors? Je mets des cuirs en été. Tu vas me faire passer pourquoi? Pour un mec qui met pas de cuir en été? Oui. Je fais partie de cette team. Chemise avec un t-shirt en dessous et un jean. Oui, c'est vrai. Bah souvent, voilà. Je mets une chemise. Quelle couleur était? Ça, je m'en souviens plus. C'est ma chemise rouge. J'ai raison. D'accord, c'est la rouge avec un t-shirt blanc. Alors que moi, j'ai raison. Lis-le. Respecte-moi. Tu veux que je te dise comment t'étais habillée? J'étais grave belle. La vie de ma mère, t'arrivais même plus à respirer. T'avais un truc, t'étais... Et bah quoi qu'il arrive, ça t'a pas empêché de t'intéresser à moi, de finir la soirée avec moi, de dormir avec moi et de repasser la journée d'après avec moi. Et là, c'est son âme. Ouais. Mais avoue que t'étais habillée comme un saucisson. Non, j'étais pas habillée comme un saucisson. D'ailleurs, je sais même pas comment t'as fait pour fermer ton truc derrière. T'étais comme ça. On dirait que t'écris, t'es en train de... Je sais pas, on dirait que c'est une délivrance pour toi, cette vidéo. Vas-y, mon défaut. Ton défaut? Vas-y, mon défaut. Tu penses que c'est quoi tes défauts à toi? Bah, jalouse et possessive. Ah, il y en a un parmi les possessifs, non, parce que pour moi, jalouse et possessive, c'est un peu la même chose. Ensuite, vas-y, on l'éclaire. Capricieuse. Et jalouse. Moi, je suis capricieuse. T'es la plus grande capricieuse du monde. Comment tu mens? Je suis dévouée à toi? Non, je peux pas être capricieuse? Non, tu peux être capricieuse et dévouée. Hein, non. Oh si. Oh non. Oh si, tu peux être capricieuse et dévouée. Non. Moi, je te le dis. Il suffit qu'il n'y ait pas ce que tu veux dans ton sandwich, tu vas péter les plombs. À vous! Pas dans mon sandwich. Donc quoi? Et toi, c'est quoi ton pire défaut? Moi? Mon pire défaut pour moi? Je suis têtue. Non, t'es égoïste. Oh, la vie de ma mère. T'es égoïste. Attends, là, on va t'es parler. Égoïste. Oh là 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 là. Je moi, je suis égoïste? Ouais, t'es égoïste. Et je te le dis tout le temps. Et ça te vexe énormément. En termes de quoi, je suis égoïste? Ah, t'es quelqu'un de très égoïste. Mais de quoi? De genre de portefeuille ou de genre de sentiment? Ah non, t'es égoïste en mode, tu ne penses qu'à toi. Mais dans quel sens? Parce tu ne penses qu'à toi. Ça peut être genre, pour moi, un égoïste, ça peut être... Tu peux être égoïste dans l'argent, tu peux être égoïste dans des sentiments. Ah non, carrément, égoïste dans l'argent, c'est radin. Ensuite, égoïste dans des sentiments. Tu l'es un peu de temps en temps parce que tu veux pas montrer tes sentiments. Moi, je pense qu'à moi. Oui, tu ne penses qu'à toi. C'est totalement faux. C'est totalement vrai. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que sinon, si tu pensais pas qu'à toi, tu répondrais à toutes les questions. Mais, ok, d'accord. Vas-y, tu veux faire la meuf? Vas-y, ok, d'accord. Tranquille. Moi, ouais. Moi, je suis un égoïste, ok, d'accord. Me demande plus un massage, me demande plus de prendre soin de toi, me demande plus d'aller t'acheter une ardoise pendant que toi, t'es en train de te préparer. Me demande plus tout ça puisque je suis un égoïste. Mais oui, je suis un égoïste. Mais oui, on va voir si je suis un égoïste. Allez. La plus grande qualité? Réponds bien sur moi, parce que tu vas voir sinon. La plus grande qualité dans le couple? Parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout ça. Hein. Ouais, c'est ça, frère Michael. Vas-y, tu penses que c'est quoi dans le couple? Moi? Bah, je suis attentionnée. Ouais, ça marche. C'est dévoué. Mais dans le couple, hein, parce que dans la vie de tous les jours, je te rassure, t'es pas comme ça. Hein. Ah ouais, t'es pas bah, comme normal, ça. Normal, c'est mon couple, c'est ce qui compte le plus pour moi. Ah ouais? Oui. Okay. Et toi, c'est quoi ton truc? Si t'as pas mis généreux la vie de ma mère, ça va pas le faire. Quoi? Toi, t'es généreux? Toi, t'es généreux? Tu es pour moi un creveur, là? T'es pas un creveur? Mais t'es pas généreux? Ah si, pardon, t'es généreux en termes de sandwich, ça oui. Mais ta qualité principale, c'est tes protecteurs. Tu fais toujours attention à moi. Oui. J'ai gagné. Plat préféré? Le tien, bah c'est facile. Hein. C'est même pas un plat.
Arrête. Ok, je vais t'aider. C'est quoi, tu vas me faire croire que tu manges des insectes, des feuilles, arrête. Non, arrête. Mais c'est même pas un plat. Ça veut dire... Arrête, je sais ce que c'est. C'est bon, quoi? Je sais. C'est quoi? C'est bon. C'est quoi? Laisse-moi tranquille. T'es sûr? Oui, je suis sûr. T'as écrit la sauce au poivre? Non. Non, j'ai pas écrit la sauce au poivre. Non, parce que c'est pas un plat. Mais c'est ça le truc. Non. Mais c'est quoi alors mon plat préféré? C'est les bubble tea. Alors déjà, c'est pas ça non plus. Hein. Mais arrête, t'adores les sushis? J'adore les sushis. Mais c'est quoi ton plat préféré? Les pâtes. Les pâtes parce que ça se marie avec tout. T'en manges jamais à part chez moi? Mais je suis tout le temps chez toi. C'est vrai. Je mange tous les jours des pâtes. Parce que les pâtes, ça se met avec la sauce tomate, avec la sauce... D'ailleurs, sauce tomate ou sauce crème fraîche? Voilà, vous voyez? Attends, fais-moi des pâtes la prochaine fois, la sauce au poivre. Bah, dites-nous, sauce tomate ou sauce crème fraîche? Pas chez vous. C'est bon, je l'ai. Tu penses que j'ai mis quoi pour toi? Bah, les fruits. Oh merde, je me suis trompé, je suis fatigué. J'ai mis des araignées. Parce que je croyais que t'étais une meuf comme les autres. Mais t'es con! Ouais, c'est vrai, en plus, je savais. J'ai pas peur des araignées. Toi, par contre, t'as peur du vide. J'ai pas peur du vide, juste parce que j'ai dit ça tout à l'heure. Oui. J'ai pas peur du vide, vas-y, n'importe quoi. Le vide. Tu sautes en parachute? Mais il y a deux semaines, j'ai sauté de 11 mètres, qu'est-ce que tu parles? Ouais, ouais, ok. J'ai sauté en parachute déjà, donc c'est faux, je suis désolé. Ouais, ok, cool. Non, c'est faux, c'est faux. Et t'as pas peur des araignées, toi? Ben non. Ah ouais? Ben non. Je jure. Non. Tu vas voir. Ben oui. Tu vas voir. Ces habitudes les plus cheloues. Tu penses que j'ai mis quoi? Je sais pas. Tu manges de la soupe à n'importe quelle heure? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ah, ça ouais. Te plaît, ça. Et moi, j'ai mis ton doudou. Bah ouais, ton doudou dans le nez. Tu parles de quoi? Je le tiens dans ma main. C'est pas un doudou, c'est une ficelle. C'est la même chose. Et le mec, il me pourrit si... s'il a pas son doudou avant de dormir. C'est pas un doudou, c'est une ficelle. Oh, que c'est je tiens un doudou. Alors? Quand t'as eu ton diplôme? Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et toi? Pareil, c'est quand j'ai eu mes diplômes, je pense. Non, moi j'ai eu quand t'as gagné Netflix. C'est comme un diplôme, alors ça peut être validé, mais bon, c'est pas... Le mieux, c'est un diplôme parce que tu charbonnes quand même, tu vois. Et mon meilleur moment, mon deuxième meilleur moment dans ma vie, je pense, ce sera quand j'ouvrirai ma première boulangerie. Amen. Le domaine où je suis le plus nul. Toi, il y en a plein, mais... Enfin... Peut-être que je te connais, tu vas me dire la voiture. Oh, j'en passe, en fait. Mais en fait, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, mais j'en passe. T'as mis quoi? J'ai mis mathématiques. Mais en vrai, il y en a plein d'autres. L'algèbre et toi, ça fait 10. Tu le sais. Tu veux qu'on fasse un test? Romain, vas-y, on n'est pas là pour faire un test de maths. Allez, 200 moins 160. Poteau, 200 moins 160. Ça fait 40. Pourquoi t'as fait le calcul? Normalement, c'est du tac au tac. Ok, moi, je suis nul en quoi? En bricolage. Enfin, c'est la dernière fois, quand on a voulu... bricoler le truc là pour faire les tableaux, et ben sans mon aide, tu n'y serais jamais arrivé. Ok. Quelle chose j'aimerais changer chez moi? Mon poids. Poteau, tu m'en as parlé encore hier. Tu m'as je sais. Ça s'appelle là. Tu m'as demandé l'autorisation. Je t'ai demandé de faire une liposuction. Et lui veut des abdos. Que j'ai perdu à cause de? Moi. Voilà. La valeur la plus importante. Pour toi, je sais. La valeur la plus importante. La mienne, tu la connais? Ben non. Je t'en parle tous les jours. Ok, donc c'est que tu me connais pas. Voilà, sur la dernière question, on voit qui t'es. Tu m'aimes pas. Mais tu m'aimes pas. Je te le dis tout le temps. Je te dis, moi, je le bannis. Lui, je veux plus. En plus, tu vois, je lui souffle des réponses. Bah, comme moi, je t'ai fait. Ok. Toi, tu penses que c'est quoi pour toi? La loyauté. Pour moi? Oui. Oui. Ouais, mais heureusement que je suis là pour te souffler. Hein. Bah, heureusement que j'étais là aussi pour te souffler. Et toi, c'est quoi pour toi? Moi, l'honnêteté. Moi, j'ai mis l'amitié. Bah, non. Si, bah, c'est un peu ça. Hein.
Toi, t'es, enfin, tu vois, l'amitié, ça veut dire beaucoup de choses. Bah oui. Toi, tu donnes beaucoup, tu vois, pour tes amis, ça veut dire que, tu vois, c'est un... Tu m'as capté, c'est une bonne réponse quand même. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Qui a gagné ? Oui ! Mon amour, j'ai gagné. Je te connais mieux que toi, tu me connais. Franchement, c'était une évidence, hein. Évidence de quoi ? Bah parce que je te connais mieux que toi, tu me connais. T'as triché. J'ai pas triché. Toi, tu sais tout sur moi parce que moi, je me confie à toi. Toi, tu te confies pas à moi. Tu joues la mystérieuse avec moi. C'est normal. Regardez ce mytho. Oh, regardez, tête triste, imitation. Vas-y. Quoi ? Vas-y. Rentre dans ton rôle d'acteur. Vas-y, tête triste. Voilà. Retournement de situation. Voilà. Bah ouais, toi tu dis rien. Ok, d'accord, t'as raison mon amour. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je compte sur vous pour aller vous abonner et mettre des petits pouces bleus. Et au final, j'espère que toutes les questions qu'on vous a posées, eh ben ça vous fait aussi un jeu pour tester votre amoureux. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo. Bisous. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. J'ai gagné. T'as pas gagné, j'ai même pas envie de parler, c'est bon. C'est... Non, t'as pas gagné. Tu triches. Nous sommes sales. Ouais, mais on s'est douché hier, heureusement, grâce à Dieu. Non, c'est douché hier soir, mais pas ce matin. Mais. Je sens grave bon. Comment tu sens bon? T'as mis quoi sur ta peau? Mais la tête de ma mère, c'est naturel. Je suis une femme. Je sens bon tout le temps. D'accord. Vous comprenez pourquoi on est resté en pyjama?